Ah mais mon poteur, bonjour. Aujourd'hui c'est Rikouap. Alors on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a deux recettes là que j'avais faites et que je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Donc on va commencer déjà par la grenadine. Donc la grenadine de Bioconcept, hein, bien sûr toujours. On va goûter avec leur nouveau petit design. Hein. C'est joli, c'est joli, c'est joli comme tout, avec le nouveau bouchon. On peut voir exactement ce qui nous reste. Donc voilà, la grenadine, 50 gouttes. J'ai pas trop vapé parce que justement, j'avais plus de produits pour pouvoir vous montrer ces deux recettes. Donc déjà la grenadine, on va goûter. On va voir ce que ça donne. Déjà l'odeur. Je n'avais pas ouvert, hein, franchement. Depuis que j'avais fait, vraiment très bonne odeur. Très bonne odeur, très bonne odeur, très bonne odeur. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Et puis tout à l'heure, on ira faire un petit tour sur le site de Bioconcept. Je vous ferai voir, ils ont rajouté des trucs, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Voilà. Allez, c'est parti. Donc moi, je suis en Aoum. Donc j'ai refait ma résistance hier parce que kabout sa résistance. Aoum 02. Je suis à 15 watts 7. On va essayer déjà comme ça. Pas mauvais, mais je pense que ça doit se vapoter un peu plus chaud. Je le mets à 18,5. D'accord? 18,5. J'espère que tout le monde va bien. Hein. Nous, aujourd'hui, on a eu un petit orage, là. Ça a rafraîchi un petit peu l'atmosphère, mais bon, ça va. Il est chaud jusqu'à présent. Oh oui. Ah oui. Très bon. Donc, va poter un peu à chaud la grenadine. Hein. Je vous recommande. Hein. Ouais. Le feu, bon. Ouh, j'en mets partout. Donc, grenadine. Hein. Le bioconcept, vous mettez 50 gouttes. C'est impeccable. C'est impeccable, c'est vraiment super. Vraiment super. Voilà, donc le temps que je finisse un petit peu ce qu'il y a là, ouais, il faut vapoter un peu à chaud. On va aller sur le site de Bioconcept. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Ils ont rajouté des trucs vraiment sympas. Donc, comme vous savez, il y a les pink-up hein, qu'ils ont en article nouveau. D'accord? Et ça vaut quand même le coup parce que si vous prenez toute la collection, donc il y a 9, il y en a 9 au total. Voyez? 9 produits, 9 saveurs de 10 millilitres. Elles vous reviennent à 3 euros. Je crois que c'est 3,33 euros que j'avais calculé. 3,30 euros, on va arrondir. Si vous prenez les 9, donc vous mettez 50 litres pour 10 millilitres, si vous voulez 10%. Hein. Moi, je trouve que ce produit vaut le coup. Hein. Saveur fruitée et gourmande, vous avez tout. En fin de compte, vous avez les 9 produits. Je trouve que c'est pas mal. Ils ont mis également. J'ai vu. Résistance Spiral Tank pour les smokes. Pareil, hein, 3,60 €. Ah, ça vaut le coup. Hein. Et vous les avez en 0,3 ohms et en 0,6. C'est des dual core. Ils ont mis ça. Et puis, ils ont rajouté également, si ça vous intéresse, je pense que ça doit être pas mal sympa. Vous avez vu celui-là, là? Il est joli, hein, le rend beau. Avec plusieurs couleurs, il est magnifique. Celui-là, donc c'est le caramiseur Spiral Tank 2 ml de smoke. Je trouve, il est joli aussi. Vous voyez, donc les résistances vont avec. C'est vraiment pas mal. Par contre, j'étais en train de regarder, peut-être que leur résistance. Je me demande s'ils iraient pas, il faudrait que je demande à Romain s'ils iraient pas avec
Je sais pas, je vous dirais une bêtise, mais je sais pas si ça pourrait pas aller avec le Mello 3. J'ai l'impression comme c'est fait. Mais bon, je demanderai à Romain, puis on verra ça. Voilà. Donc, je voulais faire un tour rapide là-dessus, hein, parce que ils ont rajouté des produits, ça vaut le coup. Hein. Donc, allez-y, jetez un petit coup d'œil. Pensez-y tous les jours à jeter un petit coup d'œil parce qu'il rajoute très très souvent au roman des choses très 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 intéressantes. Voilà. Suis en train de finir la grenadine. Voulais prendre un petit sopin, je l'ai oublié, mais c'est pas grave, il n'y en a plus. Alors maintenant, ce que je vais goûter, c'est de la banane avec du melon. C'est de la banane avec du melon. Donc on va goûter ça. Je crois que c'est une recette que j'avais fait ou en live ou en vidéo, comme la grenadine d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est pareil. Hein. Je remercie toujours Daniel hein, qui met beaucoup de recettes sur. Qui met pas mal de recettes sur, sur mon compte Facebook. Faites pareil. Hein. Ça sent bon, c'est pas mal du tout. Allez, je vais en mettre un petit peu. On va goûter ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que la banane, comme je suis lors, donc comme j'ai dit que j'étais. 18,5 avec un ohm 0,2. Alors faites gaffe, hein, parce que vous, si vous mettez à 18,5, si vous n'êtes pas en, si vous êtes qu'à 0,25 par exemple, ohm, ça va faire juste. Hein, il faut monter plus. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis, je suis à 1,02 ohm. C'est pour ça que je vous précise toujours, je suis à 18,5 watts. Mais vous, il faudra monter. Et puis en fin de compte, c'est en testant, vous testez vous-même, et c'est vous qui trouverez vous-même votre arôme. Oh, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ah oui. Eh bien, je vais vous dire, j'ai goûté le melon tout seul. Eh bien, à la limite, alors la banane, j'ai mis 25 gouttes. Et le melon, j'ai mis 15 gouttes. Eh bien, je vais vous dire, je préfère le melon avec la banane. C'est vraiment bien. Vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, c'est deux produits de Bioconseil, bien sûr, hein, la banane et le melon. Le melon seul, j'avais fait déjà une dégustation, j'avais vraiment bien aimé. Surtout Wapette, hein, Wapette, elle adore le melon. Et puis, commencer à faire des recettes avec des bases de. Comment ça s'appelle? De menthe polaire, parce qu'il va commencer à faire chaud, là, ça va être bien. Parfait. Donc, grenadine, très bien. Et banane melon, idem. J'adore. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment bon. Voilà. Ce soir, je ne sais pas si je ferai un live. Peut-être que oui, c'est possible. On verra sur quoi, hein? Très bon. On s'en lasse pas. À 18,5, c'est parfait. Voilà, sur ce, c'était Ricouvap. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de le mettre dans le commentaire. N'oubliez pas de partager. De mettre un petit j'aime, abonnez-vous si cela n'est pas fait. Ça me ferait plaisir. On est à 150 abonnés. Moi, je trouve que ça commence à être bien. Et puis allez, on fera un petit live ce soir. Si j'ai le temps, je vous dis, on fera un live 19h30, hein, comme d'hab. Voilà. C'était Eric Ouvap. Passez une excellente journée. Très bien.